Bonjour, la Bible dit dans Jean 15 au verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. » Lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu te connectes à l'œuvre de la croix, il est important pour toi de produire du fruit qui agrée le cœur de Dieu. C'est à la nature des fruits que tu produis qu'on peut déterminer à qui tu appartiens, si tu es enfant de Dieu ou si tu marches avec l'ennemi. Quelle est la nature des fruits que tu produis? Le Seigneur dit dans sa parole, on les reconnaîtra à leurs fruits. Quelle est la nature des fruits que tu produis? Est-ce que les fruits que tu produis sont des fruits qui sont dignes de repentance, des fruits qui découlent de l'esprit ou bien des fruits qui ne sont pas de Dieu? Ce matin, le Seigneur attire ton attention sur le fait que lorsque tu produis des fruits, alors il t'émonde, c'est-à-dire qu'il te purifie, te nettoie, afin que tu produises davantage de fruits. Mais lorsque tu ne produis pas de fruits, alors tu seras recranché, c'est-à-dire que tu peux perdre le salut de ton âme. Donc, je dis, il est important que tu t'appuies sur le Saint-Esprit, que tu lui demande de t'aider à produire des fruits qui agréent le cœur de Dieu. Cela passe par la parole de Dieu. Demeurer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Te saturer de la parole de Dieu. Te soumettre à l'œuvre de la parole de Dieu et au processus de brisement de l'esprit en toi. Car c'est alors que tu vas produire des fruits qui agréent le cœur de Dieu. Donc demande à l'esprit d'activer en toi la soif, le désir de se soumettre à la parole de Dieu. Bonne journée. Shalom.